Bonjour la famille, c'est toujours Guilma dans les analyses concrètes. Je pense que Namini Choyo, tout le monde a compris le message de Fally Ipupa. Un monsieur traître, un ingrat, a commis Kofinga, a fini indirectement la francophonie. Botan a message Joana Batubaza Mayele, a fini francophonie. Na kokota na makambo yo pena mingi te menangina lobali kambo moko. Alobe zalaki particulièrement honoré na 9e édition. Mais alobi eloko salinga pena matata azabi boy. L'organisation de l'événement, soit de la francophonie, rend ma participation impossible. Oyoki, est-ce que vous avez écouté? L'organisation de l'événement rend ma participation impossible. Fally, participation na yo ezala ki possible. Les gens qui t'ont amené dans l'organisation, c'est eux qui t'ont joué. Ils n'ont pas compris que le Congo n'appartient pas à Fally Ipupa. Ils n'ont pas compris que le Congo a des musiciens plus que toi. Au moment où les gens se sont rendus compte que dans la musique, tu ne fais rien de bon. Tu n'es pas beau comme Ferre Gola. Tu n'es pas beau comme Fabregas. Tu n'es pas beau comme Jibem Piana. Tu n'es pas beau comme Werason. Tu n'es pas beau comme Héritier. Les gens ont compris qu'il y avait de l'injustice avec d'autres artistes. C'est pour cela que la justice est faite et que toi, on t'a démasqué de votre sorcellerie, Fally. On t'a démasqué de votre sorcellerie. Nous allons continuer la mission Oyo. Nous allons continuer la Veuillez partager la vidéo, veuillez commenter, veuillez vous abonner et puis on continue. Tapotez la vidéo également, mettez les j'aime. La vision musicale de Fally Ipupa, écoutez ça. Ma vision musicale m'amène à décliner ma participation à la cérémonie de clôture de cet événement et à céder ma place afin de contribuer à la découverte ainsi que la mise en lumière de ce qui est la diversité culturelle. Lukuta, Fally, je vous ai toujours dit, Fally a monté sa carrière autour des mensonges. Fally, tout ce qu'il fait, c'est du mensonge. Tout ce qu'il dit, tout ce qui vient de sa bouche, c'est à peu près les mensonges. Écoutez ceci. Vision musicale et naïe m'amène à décliner. Ce n'est pas la vision de Fally qui l'a fait décliner. Ce n'est pas la vision. Fally, c'est la force. Fally a fui. Il y a personne qui a dérangé Fally. Fally a fui la présence de Ferre Gola. Fally, il vient de fuir. Il vient de emballer ses bagages. Il veut, comment on dit ça, retour au village. Il faisait crédit à ses clients. Mais comme il était en Mboka, retour au village. Ma vérité, c'est Kobima. Tu ne fais pas, famille, tu n'as pas une vision. Ta vision est de diviser les musiciens. Ta vision, c'est diviser pour mieux régner. Ta vision, c'est vivre seul au sein de la musique. Ta vision, c'est haïr les gens. C'est ça ta vision. Ta vision musicale ne peut pas t'amener à décliner. Puisque un monsieur qui a le coup. Mais ce qui a des jambes, qui a la tête, qui a les bras avec la bouche pour chanter, ne peut pas décliner les choses comme ça. Parce que tu avais déjà chanté, tu devais aller jusqu'à la fin. Par contre, Ferre n'avait pas chanté, il avait droit à décliner. Quand on ne veut pas respecter sa personne, il devrait décliner dès le début. Mais toi, on n'a pas menacé ta personne. On t'a respecté. Au début, on t'a donné ce qui ne t'appartenait pas. C'était à Ferre. Et puis, on t'a donné ça. Mais maintenant qu'à faire, il veut récupérer sa chance, sa place. Toi, tu es énervé. Ça montre que Fally est jaloux. Fally n'est pas content. Fally n'est pas vraiment... ne voulait pas que Ferre puisse prester. Puisqu'il veut toujours lui. Même si on enlevait Ferre, on mettait quelqu'un comme JB, comme Fabregas, Fally serait toujours mécontent. C'est ça la réalité. Puisque s'il était content, il ne doit pas arrêter. La vérité est celle-ci. Comme au début, il était seul, il n'y avait pas d'adversaire de taille pour chanter avec lui. C'est pour cela qu'il s'était senti à l'aise. Il savait bien que
il avait donné de la corruption à tous ces gens-là qui étaient là pour que Frère ne soit pas là. Il savait bien, si Frère chantait avec ces autotunes-là, avec l'autotune à Fali, ça serait des catastrophes. Parce que Frère serait là pour corriger Fali et Popa. Heureusement que Fali était malin. Je l'ai dit toujours, n'a jamais été intelligent, mais il est malin. C'est l'offre Kofi Olomide, l'autre légende aussi l'avait dit. Fali n'est pas intelligent, mais il est malin. Il sait bien que si il prestait au même moment avec Frère Gola, il sera insulté. Les gens vont se moquer de lui puisqu'il ne peut pas se mesurer à la capacité artistique de Frère Gola. Maintenant, Awa, comme il a vu qu'il sent sa faim, un chaboté a sentir faim naïe, Fali chaboté, il a dit ceci: ma vision musicale, Fali, tu n'as pas une vision musicale. Depuis qu'on te connaît, tu as toujours divisé dans la musique. Tu as toujours divisé, séparé les gens pour mieux vivre. Tu veux dire que ta vision t'amène à décliner la participation. Oh, tu n'as pas décliné. Tu n'avais pas la place à la fin. Fali, tu avais une place. On t'avait dit que tu vas ouvrir. C'est ce que Tchatchari avait dit. On avait dit que c'est toi qui vas faire l'ouverture. Mais on n'avait pas dit que tu avais la clôture. Ce sont des Zakari qui sont venus avec des embrouillements sur les réseaux sociaux. Avec votre Patrick Mouyaya et des pitains. Maintenant, comme la vérité est sortie, Fali, il sait qu'on va les rattraper dans la chanson. S'il mettait le podium et qu'il puisse chanter à côté de, face à face de Frère Gola, soit face à face héritier d'autres personnes là, il ne sera pas en mesure de tenir le coup puisqu'il sera tenu en échec. Fali savait bien qu'il ne peut pas tenir devant JB Mpiana. Fali le sait bien qu'il ne peut pas tenir devant Frère Gola. C'est pour cela qu'il a fui, puisqu'il sait qu'il sera tenu en échec. Il sait la capacité. C'est là où j'aime Fali pour pas des fois. Il connaît sa faiblesse. Il connaît sa capacité artistique. Il connaît sa capacité de chant. Mais quand il mesure sa capacité devant Fali Frère Gola, il mesure sa capacité de chant devant JB Mpiana, il mesure sa façon de chanter, sa capacité artistique devant Héritier ou bien Fabrega, tout ce monde-là, Fali est obligé à se retirer. Puisqu'il sait lui-même qu'il ne peut pas se mesurer à ces gens-là. Ces gens-là sont vraiment des musiciens. Vous les Ivoiriens, vous les Camerounais, si vous voulez écouter de la musique, il ne faut pas suivre l'embrouillement des fans. Il ne faut pas suivre le vent qui vient avec la musique. Écoutez de la bonne musique. Prenez du temps à écouter une personne comme Héritier Watanabe. Prenez du temps à écouter une personne comme Fabregas. Prenez du temps pour écouter la musique de JB Mpiana, de Frère Gola. Vous allez comprendre qui est qui. Fali, il a du succès. Mais il n'a pas. Il a fait vendre son nom. Les gens connaissent le nom de Fali, mais ne connaissent pas les chansons de Fali. Il y a beaucoup de chansons de Frère que beaucoup de gens pensent que ça c'est Fali et Poupa. Pendant que ce n'est pas Fali, les fans de Fali sont là pour mentir. Quand ils savent que vous êtes des Ivoiriens, vous êtes des Camerounais, Sénégalais, ils mettent une chanson et disent ça c'est Fali. Pendant que c'est Frère Gola. C'est ça la réalité. Fali n'est pas un monsieur qu'on peut mesurer devant ces artistes-là. Fali, il n'a pas la capacité là. Écoutez le message qu'il nous a donné vraiment. J'ai été particulièrement honoré. Oui, tu étais honoré parce que même Jibé aussi a été honoré parce qu'il a joué. Fabregas est honoré parce qu'il va jouer. Héritier aussi est honoré. Ce n'est pas seulement toi, Fali. Tous ceux qui vont participer à la cérémonie de la francophonie sont honorés. Tout le monde est honoré là-bas. Tout ce qui va passer là est honoré. Ce n'est pas seulement toi. Il ne faut pas embellir les maçons ici. Tu n'es pas content. Fali, tu n'es pas content. Tu as de la jalousie. Tu ne voulais pas que Frère puisse participer à la francophonie. Malheureusement, Fali, pour toi. Malheureusement, encore une fois. Fali, tu n'as pas le feu que Frère Gola aujourd'hui. Frère Gola a un feu dévorant. Frère Gola, partout où il passe maintenant, c'est son nom qui est resté. Il grave partout. Partout, il a été de graver son nom. C'est Frère ou rien maintenant là. Au moment où le jour où ça au stade des martyrs, on commence à le comparer avec le stade de Frère Gola. C'est là où tu as perdu.
Fer a fait de la bonne musique, la musique de la qualité. Ce n'est pas comme toi. Toi, tu fais les vite fait. C'est comme une nourriture de fast-food comme le McDonald's. La nourriture de Falling pour passer comme McDonald's, la musique. Ah, c'est la musique, c'est une nourriture de la pollution qui n'est pas bonne pour la santé. Mais Fer Egola nous amène une nourriture comme de la salade, de la nourriture mais avec des légumes, c'est comme des fruits. Musique de Fer Egola, ça contribue à la jouissance, à la beauté, au bonheur de quelqu'un. Ce n'est pas comme de Fali Ipo. Vous qui m'écoutez, je ne suis pas en train de dire que Fali est mauvais. Il y a la qualité et la qualité. Il y a catégorie et catégorie. Comme dans les jeux de boxe, il y a le poids léger, poids moyen, poids lourd. Fali devant Fer, c'était poids léger. Fer, c'est poids lourd. Même les personnes comme des Koffi Olomide, ils ont dit ça. Même MC Komouera, et ils ont reconnu que Fer Egola, c'est poids lourd. Fali, c'est un poids léger. On ne peut pas les comparer. On ne peut pas les comparer. Fali, il a seulement de visibilité. Il cherche de visibilité. Il veut être connu partout, c'est ça. Mais Fer Egola n'a pas besoin d'être connu. Il veut, c'est sa musique qui est connue. Pour Fer, c'est la musique qui est connue. Mais pour Fali, c'est lui qui est connu. C'est ça la différence. Mais ces gens-là sont des artistes, sont des musiciens. Il faut que leurs chansons, leur musique soient connues par rapport à eux. Mais Fali fait de l'évance. C'est pour cela qu'il a déjà atteint l'âge de l'apogée. Il est à la fin de sa carrière, mais ne comprend pas. Il veut se comporter toujours comme si quelqu'un qui va évoluer. Tu as déjà Fali, tu commences à tomber. Et puis ton habillement, personne n'apprécie ton habillement Fali. Tu t'habilles comme un enfant, même pas adolescent, tu es encore avant l'adolescence. Tu n'as pas encore compris que tu as l'âge d'adulte, tu te promènes torse nu pendant que tu as des grandes filles de plus de 20 ans, des hommes, des garçons plus de 20 ans, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, moi personnellement je ne connais pas, je ne comprends pas. Donc Fali, tu nous as menti. La lettre ici, ça montre seulement la jalousie, la haine. La jalousie, la haine, le désarroi, tu n'as pas aimé la présence de Fer Egola à la francophonie. Mais ce n'est pas toi qui décides malheureusement, c'est la francophonie, c'est le gouvernement qui a forcé, qui a dit que tout le monde est égal devant la loi. Si toi tu as joué, d'autres personnes aussi ont le droit de jouer. Fali, tu as compris? On ne blague pas avec la justice. On ne blague pas avec les affaires de Dieu. Si toi, tu as choisi un cas qui n'est pas de Dieu, nous, on choisit toujours la place de la justice. Je pense que vous m'avez compris. C'est moi, Gilmas. Partagez la vidéo, commentez, aimez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye.